Il y a pour le président va voter sous question d'insécurité, puisque nous voyons que pas de rien qu'à faire, ils sont bagages qui viennent beaucoup plus graves et pas aucune disposition à prendre pour assurer la sécurité de la population. Seulement, avant de commencer, et comme dernier, pour le président nous a parlé de rapport que nous avons fait sur la question passeport Martino, que pour des comptes écrit personnellement, où il dit que je vais le mener, eh bien, audit sous comme ambassade d'Haïti à Washington. Je vais le mener audit sous différents consulats, côté Gambie, côté Gaspillé, et nous applaudissons pour des comptes, puisque en tant que citoyen, nous écrit, les répondent non, et on va le mener audit sur les 10 dernières années d'administration au niveau de mission diplomatique que nous gagnons à l'étranger, que le pays a gagné à l'étranger. Donc, dans ce sens, nous devons quand même, avant de commencer à parler de questions de sécurité, avoir un chapeau pour coup de compte. Et nous espérons, dans 3 à 4 mois, nous avons un rapport final pour tout ça sur question mission diplomatique. Donc, comme vous le dites, je dis à nous parler de questions de sécurité. Saint Noël, nous voyons que Ariel Henry, il fait une 15e intervention sous question insécurité. C'était le 19 mars, le 18 mars, l'heure était sortie au Chili. Il fait une dernière intervention. Il fait 15e intervention côté Ariel Henry depuis le monté. Il dit qu'il va résoudre question insécurité. Avant de faire intervention, ça, l'idée fait sortir deux tweets entre le 10 et le 11 février. Le 10 février, l'idée dit que bientôt, tout le monde va le passer sur route Matisse. L'idée dit, il est dans le conseil supérieur, dans la réunion conseil supérieur police nationale, bientôt, on va le passer. Ça veut dire le 10. Le 11, l'idée, la peur doit changer de camp. Le 11 février. Mais un mois après, un mois et 7 jours après, Lévin prend la parole le 18 mars 2022, il dit tout le monde attend la réouverture de la route de Matissan. Ça veut dire, au moins une semaine après, Ariel Henry répétait la même parole que le dit le défi de monter le 20 juillet, que lui va ouvrir la route de Matissan. Des milliards de gouttes dépensées, Ariel au pouvoir, et le 18 mars, il reprend la même parole que le dit le 20 juillet. D'ailleurs, il dit la partie politique, il dit à tout le monde, bientôt, alors, le salle dit lundi, la couverture là. Encore, au 18 mars, il dit que tout le monde attend la couverture de la route. Tout ceci, c'est pour conclure, pour nous dire que, justement, nous pas qu'il doit attendre rien de Ariel Henry, puisque on premier ministre de facto, après 15 interventions, lui reprend même ça l'a dit dans le premier et en y est pas fait. Quelle politique nous est de sécurité que Ariel Henry a appliqué? Nous est que lui délégué des gens qui n'ont entourage lui, qui fait partie de partis politiques, qui lui avait, et mon sérieux, il y a eu négocier avec le parti pour quitter, eh bien, machine passée, d'après ça l'a dit. Mais il va négocier sur la question kidnapping. Il va nous faire verbe pour faire kidnapping. Mais il voulait quitter un climat côté que vous avez gagné l'impression que tout pareil allait bien. C'est comme ça que nous avons dit le fait dans le des bouquets. Et tout ceci, c'est pour garantir un climat pour faire élection. Et même pour nous avoir négocié, c'est pour nous avoir le candidat ou député ou sénateur qui appelle. Et pour nous avoir une fois que l'élection finie, pour remettre le banditisme d'État à sous pied. Ça veut dire que la politique de sécurité Ariel Henry appliquée, c'est ça nous voyons en pratique là. C'est ça qu'il fait avec conseiller lui. C'est ça qu'il fait avec conseiller que le voyez négocier pour que l'État dit mon climat pour l'organiser l'élection, pour le remettre la question de banditisme d'État sous pied. Donc, moi je pense que malheureusement Ariel a assumé, Ariel Henry comme policier a assumé, mais la population n'a pas de doute que c'est ça qu'elle a fait. Alors que ça a lui-même là, mais côté la promène nous, non, même banditisme d'État. Je dis à la dit que nous déjà, ouais, bon côté, gouvernement de facto qui l'a, pas gagné
justement, ni capacité, ni volonté pour résoudre le problème là, parce que yo même avec Bandio, eh bien, yo c'est Marassa. Maintenant, est-ce que dans toutes les situations, les mêmes y a des comme ça? Moi, parce que je dis à la police, il y a des bagailles pour que la police lui-même le fait en attendant justement que mon vrai consensus que gagne. Eh bien, moi, j'ai dit les autorités qui coupaient fâché avec Bandio et qui décidaient d'affronter justement Bandio. En attendant la petite police, gagne, je vais regarder dans relever la police. Je dis qu'il y a 16 000 policiers, mais c'est pas ça qui gagne. Non, donner la police, c'est 14 000 policiers qui gagnent, dans le computer, ressources personnelles, il y a 14 000 policiers. Mais dans 14 000 policiers, ça qui gagne, ça nous remarquons, gagne environ 2 000 qui partent au service de la population. 2 000 sérieux, c'est des policiers qui eux-mêmes, soit en détachement, comme si nous avons des policiers qui sont en détachement avec Maïs là. Avec les anciens députés, anciens sénateurs, en pile policier, même moitié. Il y a des policiers qui ont un congé prolongé, ils ont un congé, ils ont tout parti, ils vont retourner. Ils continuent à toucher. Il y a des policiers qui font abandon. Ils arrivent, ils ont parti, ils vont prendre les mêmes congés, mais ils continuent à toucher. Et il y a des policiers qui travaillent pour l'entreprise privée. Ça veut dire que, si vous avez 2000 policiers qui parlent dans l'effectif là, si vous gardez une moyenne, comme vous avez touché 30 000 gouttes par mois plus, disons 10 000 gouttes dans ce cas-là, ça fait environ 80 millions de gouttes par mois. Ça fait 960 millions de gouttes par année. Je dis à vous, c'est que la police là, il n'y a pas qu'à suivre pour un politique là, pour quitter tout le bagage, et pour entrer tout, lui-même dans le négociat. Je dis non, la police là doit commencer par mettre l'ordre de la caille pour que la police là, justement, gagne au minimum que le café pour protéger la population. Et c'est peut-être ça nous dit, comme ça, il y a environ 960 millions de dollars et par année, 80 millions par mois, la police doit justement mettre l'ordre pour identifier les policiers là. Justement, mettez l'effectif qui a jour, qui c'est 12 000 liens pour le dire 12 000, et demandez à ce que le propre salle de finance et au transférer sur ces 4 policiers qui travaillent tout le monde. Parce que les policiers qui travaillent tout le monde, lui-même, s'ils veulent faire ça, on n'a plus motivé pour le travail. Ils doivent acheter équipement pour les policiers à 80 millions. Ça fait presque, disons, environ 800 000 dollars américains. Ça a acheté équipement que la police a besoin, gilet pas mal, combat boots, il a besoin de munitions, il a besoin de casque, il a besoin de drone, il a besoin de tank. Je pensais que comme ça, il a acheté et la police a aidé en pile population parce que si c'est sur autorité politique, je ne crois pas que la police a joué le problème parce que ça fait 8 mois qu'il a demandé. Et troisièmement, comme ça, tout. La police qui doit programmer, l'administration de la police qui doit programmer, pour transférer sous salaire et tout, pour qu'il y ait augmenté le salaire de la police. Parce que son corps qui est là, pour que les policiers qui travaillent, il y a ça qui va travailler, il y a ça qui va là. Donc, moi, je crois que c'est anormal pour ça pas là, après, même quoi à ça qui est là, qui est exposé, et non seulement qui est exposé, mais qui n'a pas d'équipement, et qui touche le même genre avec l'autre là. Donc, nous demandons la police fait travail ça. Fait travail pour mise à jour ça. Fait travail pour que comme ça, les gars, les policiers, les gars, l'équipement, et que les policiers, ça, ils prennent la responsabilité par rapport à la population. Parce que tout le monde déjà ouais, que la question de CSPN, pas gagné, aucune responsabilité. D'ailleurs, au point de premier ministre, il a dit, je suis en réunion avec le CSPN élargi. Qui est là dans l'armée. L'IFSI SPN avec le secrétaire général du palais. L'IFSI SPN avec notre ministre. Pas gagné rien qui marche. Parce que tout le monde se réunit. Il y a un bagaille qui est toujours bloqué. Parce que l'État, ça a le gouvernement, ça a ni parlé ou peut fâcher avec Mandi. Et c'est peut-être ça que je vous dis. Que je dis à la police, nous avons réussi à la police. Après que le film mettait justement l'ordre ça,
Moi, je pense avec moyen ça, et que vous demandez au ministre financier pour transférer le corps à vous, pour que vous ayez quoi dans le budget, pour acheter l'équipement, pour mettre l'ordre, policiers qui travaillent là, pour que c'est l'utile de tout ce qui moi, je crois que je dis, ça nous voulait nous-mêmes, c'est que bon, la police qui a affronté Mathieu. C'est que bon, la police qui a appliqué un plan de sécurité. Quel qu'on est, il sortit de 1, il va aller à 4. Il passe différentes étapes. Il commence premièrement à isoler la zone côté bandit. Deuxièmement, il y a un équipement approprié pour que il infiltre. Et troisièmement, il bataille avec eux. Parce que je dis, c'est la police qui peut battre avec eux, c'est la bandit qui peut battre avec eux, bien sûr. Et nous croyons que je dis, ça qui est extrêmement important, là la police fait ça, c'est le salaire bénéfique à la population civile. Son pays, dès que les 6h du soir, pièce pour ne pas circuler, toute activité, on va dire même la police qui est inacceptable.